Les gars, je pense que tout est clair maintenant, non? Donnons la couronne maintenant à Samuel Eto'o. Il a gagné à tous les niveaux. Voilà la liste du staff technique qui sera avec les Lions ce soir au banc de touche. Ce qui sera avec le coach ce soir au banc de touche. Voilà le staff. C'est le staff de qui? C'est le staff de Samuel Eto'o, le staff de la FECAFOOT. Tout de même comme ici à Yaoundé. Comme c'est un média, les caméramans ne voulaient pas nous présenter le staff qui était au banc de touche. Heureusement que les photographes étaient là pour nous présenter les images après. Jusqu'à j'ai même suivi long à RFI même que Marc Brice était seul au stade. On a vu beaucoup de médias, beaucoup de pages publiées que Marc Brice était seul au stade. Pourtant, même le médecin qui s'en occupait des Lions venait de la FECAFOOT. Tout le monde a vu. Donc, on ne veut plus entendre les faux débats demain. Les gens qui ont venu dire que non, Marc Brice était seul au stade. Voilà la liste. Vous-même, vous pouvez consulter, vous-même lire les noms qui sont sur cette liste-là. Vous avez chiffonné le staff de Samuel Eto'o, le staff de la FECAFOOT ici au Hilton, ici à Yaoundé. Vous comprenez déjà que votre force, votre pouvoir, c'est seulement au 237. Non, quand vous sortez déjà du pays. Voilà même, on entend qu'on vient de payer les visas. Après combien de jours, quand vous êtes, c'est déjà 2 jours que vous êtes là-bas. On vient de payer les visas. Or, les gars de la FECAFOOT sont partis ici étant propres. Vous arrivez en Angola, il n'y a pas d'hôtel. Vous suppliez les lions pour dormir dans les chambres. Vous ne comprenez pas que Samuel Eto'o sait ce qu'il fait depuis le début. Vous pouvez mater Samuel Eto'o ici. Nous, on sait. Mais à l'extérieur, Samuel Eto'o a le pouvoir. On a vu comment le staff de Samuel Eto'o était chiffonné ici, là, au Hilton. On les a chassés comme les malpropres. Comme si, pourtant, c'est le staff même qui est reconnu par la FIFA. Oui. Donc, maintenant, je pense que le débat est clos. Samuel Eto'o est vainqueur et personne ne va gagner Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, lui, il ne s'agit pas. Il marche seulement selon les textes. Il marche seulement selon les textes. Voilà maintenant, sans Aboubakar, qui suppliait maintenant ses collègues, les gars, non, n'affichons pas, ne laissons pas nos frères dans la rue. Vous devez dormir où depuis là? Vous devez loger où? Vous lavez où? Vous allez respecter Samuel Eto'o. Vous-même, vous avez suivi ce que Aboubakar Vincent a dit de Samuel Eto'o. Maintenant, pour ceux qui disent que il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'entente entre les lions là, regardez cette image. Voilà, comment vous avez vu? Rendez-vous tout à l'heure à 20h, heure du Cameroun. Cameroun, Angola. Même le capitaine a dit qu'il a reconfirmé qu'ils vont gagner ce match pour faire plaisir au pasteur de l'église de Tinga. Voilà. Tellement les gars commencent à attaquer le pasteur là que il va finir par être un églisien. Mais pour l'instant, je suis encore neutre. J'observe encore la scène. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, 2 chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture
y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.